Good morning. Le président, bonjour à nouveau. Bonjour à toutes et à tous et à vous. Et à vous, monsieur Mangou. J'aimerais demander aux parties, à toutes les parties, de bien se comporter et de ne pas faire de commentaires, de ne pas rire de quoi que ce soit qui se passe ici. Merci. Monsieur MacDonald, merci, monsieur le président. Monsieur le procureur. Alors. Donc on a parlé, on s'est laissé sur... Monsieur le président, s'il vous plaît. Yes. Oui. Oui. Une pratique qui a évolué depuis mon absence. Le président, excusez-moi, mais je n'entends rien. Ça va là? Ok. Non, ok. Oui. Président, oui, allez-y. Depuis ce matin, peut-être que c'est une pratique qui a évolué depuis mon absence, que monsieur le procureur appelle constamment le témoin monsieur Mangou. Alors que jusqu'à présent, l'habitude était ici, que l'on appelait le témoin monsieur le témoin. Y a-t-il une évolution qui m'aurait échappé? Je m'excuse. Je voudrais savoir. Well, I'm fine with... Le président, moi, monsieur Mangou, ne me pose aucun problème, donc poursuivez. Qu'il y ait eu modification ou non, les juges de la Chambre n'y voient pas d'inconvénient. Le témoin s'appelle monsieur Mangou, cela ne semble pas poser de problème à monsieur Mangou qu'on l'appelle monsieur Mangou. Monsieur Mangou ou monsieur le témoin, ce sont soit le nom ou les... Je ne peux pas vous appeler général, c'est tout simplement cela. Alors j'aimerais revenir sur la question des rencontres avec le président Gbagbo tel qu'il était alors, mais je veux changer la période. Et je veux maintenant nous situer dans le temps entre le 1er octobre 2010 et le jour du deuxième tour des élections, soit le 28 novembre. Donc, ce qu'on peut appeler la période électorale. Étiez-vous en contact avec M. Gbagbo? Oui. Oui, j'étais en contact avec le président Gbagbo. Était-ce toujours de la même manière, par voie de téléphone et en personne? Par les deux moyens. Voie de personne, rencontre personnelle et par voie de téléphone. Et juste une précision, que ce soit durant cette période donc électorale ou durant la crise post-électorale, y avait-il également des communications écrites qui étaient acheminées à la présidence? Non, je ne me rappelle pas de communications écrites. Vous voulez parler de la période après les résultats? Non. Alors, prenons à titre d'exemple la période de la crise post-électorale, donc 28 novembre ou 11 avril. Durant cette période, et on va revenir là-dessus, on a des documents. Je voudrais savoir les messages que vous les faisiez-vous parvenir à la présidence? Ben, peut-être si je vois le message, je pourrais me rappeler
des objets et voir pourquoi est-ce que le message a été fait. Durant la période électorale, donc début octobre 2010 au 28 novembre 2010, avez-vous eu des rencontres avec M. Gbagbo en présence des chefs des corps armés ou les généraux? Vous savez, nous avons souvent été convoqués. Donc, à ce niveau, comme je vous le précisais tout à l'heure, il me serait difficile de définir des dates, sinon nous avons souvent été convoqués. Alors, prenons une pièce manuscrite à cet effet. Et j'appellerai donc, pour les fins de l'enregistrement, la pièce CIV OTP 00880863, le numéro 547 sur notre liste des éléments en charge pour ce témoin. Et si nous pouvions aller, s'il vous plaît, à la page 0929 et également 0930, si on peut les mettre en parallèle, si c'est possible. Sinon, on peut commencer avec la 0929. Et si on peut montrer les entrées 12, 13 et 14, plus spécifiques, s'il vous plaît. Alors, M. Mangou, pendant qu'on fait cela, il s'agit d'un registre des visiteurs à la résidence du président de la République durant les périodes qui nous intéressent. Et l'on peut voir l'état dans un premier temps de ce registre, mais il y a des entrées, donc 12, GL Mangou, pour voir le PR, l'heure d'entrée, 13h40, heure de sortie, 15h10. Il y a l'entrée 13, le général Kasaraté, également pour voir le PR, 13h52 à 15h10. Il y a également le général Bipoint pour voir le PR, 14h01 à 15h10. Donc, on se situe en date du 19 novembre 2010. Première question, vous rappelez-vous avoir été à la résidence? Oui, comme je le souligne, oui, là, oui, le 19. Vous rappelez-vous, qui avez-vous rencontré? Alors, quand je vais à la résidence, c'est pour rencontrer le président de la République. D'accord. Donc, c'est l'une de ces rencontres que vous auriez eues avant... durant la période électorale, avec le président. C'est fort possible. Très bien. Durant cette même période, donc la période des élections, la période électorale, je peux même être plus spécifique, suite à cette entrée du 19 novembre 2011, avez-vous également eu des rencontres seul à seul avec le président ou face à face avec le président sans la présence de vos collègues des FDS?
Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, hein, les rencontres au niveau de la résidence, il y en a tellement eu que si on ne me met pas le motif pour lequel j'y étais, il me serait difficile de dire avec précision pourquoi j'y étais. Très bien. Alors, j'aimerais vous aller à la page dans un premier temps pour montrer la date. La page 00880945. Si on peut descendre, juste pour montrer la date, en milieu de page, s'il vous plaît. Très bien. Stop. Non. Oui. Montez un peu, s'il vous plaît. Encore, il faut monter. Voilà. Alors, on voit que la date est indiquée, le 25 novembre 2010. Et si on peut aller à la page suivante maintenant. La page 0947. Et mettre l'emphase à l'entrée numéro 23 sur cette page. 23 et 24, 25 et 26, s'il vous plaît. Alors, nous voyons que, encore une fois, une inscription dans ce même registre, en date du 25 novembre, pour voir le PR, 19h45 à 20h55. Il y a un monsieur Hervé Siaba qui semble arriver. Il y a une entrée concomitante dans le registre à 19h45. Il est resté jusqu'à 2h20. Maintenant, si on descend à l'entrée numéro 26, Maître Bailly, PR, 20h26 à 20h40. Vous rappelez-vous, et juste pour qu'on se situe tous, au bas de la page, si on descend, voilà, sous une rubrique « Événements survenus au cours du service », 21h, émission directe télévisée face à face entre le président et M. Alassane Ouattara lors du second tour de la présidentielle. Par ailleurs, RAS, qui veut dire « rien à signaler ». Si on remonte juste un petit peu, tout petit peu, voilà. Départ du cortège, c'est un peu illisible. Il y a le chiffre 40. Non, descendez, Blavier. Alors, avant que mon collègue fasse quelques remarques que ce soit, s'il vous plaît, est-ce qu'il m'est permis de terminer la question? Ou sinon, je vous demanderai de... Il faut s'assurer... de faire sortir le témoin si nécessaire. Le Président, je pense que la remarque qui va être faite est que vous êtes déjà en train de donner de nombreux éléments au témoin au lieu de vous concentrer sur la question, ce que je comprendrais. Monsieur le Président, c'est exactement cela. Alors, Monsieur le Président, pour ne pas que je revienne encore sur cette observation, je voudrais que M. le procureur pose des questions aux témoins et non qu'ils se mettent à lire le registre. Comme vous avez l'habitude de le dire, nous tous, nous savons lire dans cette salle.
s'il a une question précise concernant le registre, qu'il pose la question et non à faire des commentaires. Voilà. Donc je voulais que ce soit précis, pour ne pas qu'on revienne encore sur ces points. Non. Le président. Oui, je souhaiterais que vous posiez des questions parce que nous sommes tous tout à fait capables de lire. Et il en va de même pour la partie adverse, lorsque le moment sera venu pour qu'elle pose des questions. Il s'agit de poser des questions. Monsieur McDonald, très bien, Monsieur le Président. La question est la suivante. Vous rappelez-vous avoir rencontré le président Gbagbo avant le débat des chefs? Non. Non, je n'ai pas rencontré le président Gbagbo avant le débat. Ce que je peux vous dire, si le nom figure, mon nom figure sur le registre, c'est qu'effectivement, j'étais à la présidence. Vous avez parlé tout à l'heure d'entrée concomitante avec celle de M. Siaba et de M. Bailly. Ce sont des habitués de la présidence qui peuvent arriver à la même heure que moi. Ça ne veut pas dire que... Excusez-moi. Ça ne veut pas dire que nous venons pour une réunion. Parce que eux, ils sont à la présidence. Ils viennent souvent voir le président. Mais avant le débat, c'était une grande première en Côte d'Ivoire. Il y a souvent eu des élections, mais ces genres de débats n'ont jamais été organisés. Donc, tout Ivoirien digne de ce nom était soucieux de suivre le débat. J'étais chez moi à Andokwa, et c'est chez moi, à la télévision, que j'ai suivi le débat qui a eu lieu entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane. Je n'étais pas à la résidence. Petite question de clarification. Qui est Maître Bailly? Alors, Maître Bailly, je le connais, ainsi appelé parce que, bon, il pratique les arts martiaux, donc on l'appelle Maître. Je crois qu'il doit être titulaire d'une ceinture noire, mais je sais qu'il a souvent fait partie du cortège présidentiel. Donc, lui, l'entrée est à 20h26 pour quitter à 20h40. Alors, je vais poser la question à nouveau. Vous rappelez-vous avoir visité la résidence avant ou au moment du départ du cortège présidentiel pour se rendre au lieu du débat présidentiel? Non, je l'affirme, ce jour-là, j'étais chez moi, j'ai suivi le débat à la maison. À la maison. Just for in the English. Le président. Alors, dans la version anglaise, la question posée par le procureur a été incorporé dans la réponse donnée par le témoin à la page 39, ligne 14. La dernière phrase qui commence par « so » en anglais. C'est la première phrase, en fait, de la question. Monsieur McDonald, oui, le président. Voilà, merci pour la correction. Très bien. Poursuivez. Très bien. Quelle était votre relation avec M. Gbagbo? Pourriez-vous nous la décrire, s'il vous plaît? Pas de relation particulière avec le président Gbagbo. La première fois que
je voyais le président Gbagbo, c'était au lycée classique d'Abidjan. Il était professeur. Moi, j'y étais comme élève. Comme tout élève, les élèves connaissent leur professeur, souvent de nom, quelquefois de visage, mais je savais que c'était le professeur au lycée classique. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avons eu même à faire un mouvement de grève parce que le président faisait un cours en tant que professeur et ça n'a pas plu à la fille d'un ambassadeur. Donc je garde encore le nom parce que c'est un événement qui m'a marqué. C'est Minerbi Tamar et nous avons eu à faire la grève sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne se salue. Premier contact. Oui. Quel âge aviez-vous? J'étais au lycée. J'étais. Non, mais lorsque vous êtes. Monsieur Gbagbo était professeur et que vous, vous étiez là au lycée. Bon, je ne saurais pas vous dire. Je devais être en première. Je devais être en première. 16, 17 environ? 18? Non, 17, c'est le plus intelligent. Je ne suis pas aussi intelligent que ça pour être 18 ans. Un peu plus quand même. Un peu plus. Voilà. D'accord. Mais on s'entend que c'est durant cette période de votre jeunesse. Voilà, cette période. Mais, voilà, de ma jeunesse, mais on ne sait pas parler. Voilà. On ne sait pas parler. Sinon, il faut dire qu'avec le président, je n'ai pas de relation particulière. C'est des relations de président de la République à chef d'état-major des armées, donc de chef à collaborateur. Pas de relation particulière. Suite au lycée, continuez, parce que je vous ai interrompu. Oui, donc après le lycée, lorsqu'est survenue la crise de 2002, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain et certainement que le président a apprécié ce que mes hommes et moi nous faisions. Il m'a convoqué un jour pour me dire qu'il allait me confier une grande responsabilité au niveau de l'armée, sans préciser quoi que ce soit. Après l'entretien, je suis parti. Et puis, après les événements d'Alangwasu, où toutes les troupes étaient positionnées par rapport à la zone de confiance, on a vu, à l'époque, il était capitaine, le capitaine Abéi, venir tout seul d'Abidjan avec un char et aller jusque dans la zone de confiance. Il a failli se faire tuer, l'engin détruire. Donc ça a créé des problèmes entre nos forces et les forces impartiales. Et ce jour-là, le président même est venu à Alangwasu en hélicoptère. Vraiment. Donc le président est venu à Alangwasu pour essayer d'intervenir parce que nos hommes voulaient en découdre avec ceux qui étaient venus d'Abidjan et qui nous créaient des problèmes. Et ça l'a tué quand il est rentré à Abidjan, que assis à la télévision et suivant les informations, j'ai vu que je venais d'être nommé colonel-major et nommé dans le même temps chef d'état-major des armées. Donc, vous avez appris de manière officielle votre nomination par la voix de la télévision? C'est la télévision ivoirienne que j'ai appris. Donc, la RTI. La RTI. Avez-vous déjà assisté à des services ou un service religieux avec M. Gbagbo? Oui.
Vous savez que je suis fils de pasteur. Donc, tout ce qui arrive pour moi dans ma vie est le fait de Dieu. Et chaque fois, je remercie Dieu, je glorifie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Quand j'ai été nommé général de brigade, j'ai donc voulu rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Et j'ai convié le président de la République à venir me soutenir. Et il est venu ce jour-là à l'église. Et ensemble, nous avons fait la prière. Est-ce que le président était le seul qui était convié? Non, le président n'était pas le seul à être convié. J'avais convié tous mes collègues des forces impartiales. J'avais convié certains de mes collaborateurs, les membres de ma famille et même toute la communauté où je vais à l'église. Et puis, bon, je crois, voilà, ceux qui étaient présents. Et parmi ses collaborateurs, y avait-il d'autres chefs de corps? Et si oui, lesquels? Alors, c'est un peu lointain. D'autres chefs de corps. Je ne sais pas si vous voulez parler des commandants des forces ou des chefs de corps. Je vais être plus précis, d'autres généraux des forces de défense et de sécurité, pardon. Oui, donc, ils étaient là. Ils étaient là puisque je les avais conviés. Et c'était pratiquement un devoir pour eux de venir soutenir leur chef. Donc, ils étaient là. Vous rappelez-vous la date de cet événement? Je n'ai pas la date du culte d'action de grâce, mais je sais que j'ai été nommé général de corps d'armée le 1er juillet, le 1er juillet 2010. Ça va, on va revenir avec des documents pour ce qui est des dates. N'ayez crainte. Madame Gbagbo, Madame Simone Gbagbo. Lors de la crise post-électorale, étiez-vous en contact avec cette dernière? Donc, la crise post-électorale. Une seule fois, lorsqu'il y a eu les événements d'Anonkwakouté, elle m'a convoqué. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur place le général Kasaraté et quelques chefs du village d'Anonkwakouté. Donc, elle me demandait quelles sont les mesures que nous prenions. Je lui ai dit tout simplement que nous savons ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il y avait des blessés, il y avait des morts. Donc, nous, déjà, au niveau de l'état-major, on cherchait des voies et moyens pour faire évacuer les blessés. Donc, je lui ai dit que nous, on s'en chargeait et je suis reparti. Vous l'avez rencontrée à quel endroit? Elle vous a convoqué à quel endroit? À la résidence à Cocody. Donc, toujours la résidence présidentielle. Cet incident d'Anonkwakouté, pardonnez-moi la prononciation, j'ai beaucoup de difficultés avec le nom. À quelle date est-ce que cet incident s'est produit au village d'Anonkwakouté? Alors, il faut situer l'incident, je crois, dans le mois de mars. Dans le mois de mars 2011. Outre cette rencontre en personne,
Est-ce que vous avez eu quelques communications avec Mme Simone Gbagbo avant cela? C'est-à-dire avant la période post-électorale? Avant l'événement d'Alan Kwaku Té. Non. Durant la période électorale, donc 1er octobre au 28 novembre, avez-vous été en contact avec Mme Gbagbo? Je sais que souvent quand nous étions convoqués à la réunion, à la résidence, elle venait saluer et puis elle repartait. Souvent le président même lui disait « Simone, laisse-nous travailler ». Bon, mais je ne peux pas dire que c'est une rencontre. Juste pour que ce soit au dossier, le village d'Alan Kwaku Té, c'est un village ébrié, c'est bien cela? C'est bien cela. Et vous êtes également ébrié vous-même? Je suis ébrié moi-même, natif donc de Yopougon Kouté, à Abidjan. Lors de la crise post-électorale, avez-vous été en contact avec M. Charles Bigoudé? Oui, lors de la crise post-électorale, j'ai dû vous dire certainement qu'on s'est rencontrés deux ou trois fois. Mais quand j'ai revu un peu les dates, Charles Bigoudé et moi, nous nous sommes rencontrés cinq fois. Je pourrais vous donner les dates et les circonstances de la rencontre. Alors, si vous pouviez nous donner les dates dans un premier temps, les circonstances, on les développera par la suite. Donc, la première rencontre a eu lieu le 20 janvier 2011 à l'état-major. La deuxième rencontre a eu lieu le 23 janvier 2011 au stade Champroux. La troisième rencontre, quand il était parti sur... le plateau de la télévision pour faire passer un message, je lui ai dit que je n'étais pas satisfait. Donc, pour se justifier, il s'est déplacé, il est venu chez moi. On était le 20 mars 2011. Ensuite, le 21 mars 2011, au stade de l'état-major, et le 11 mars 2011, à l'état-major, dans mon bureau. Vous est-il arrivé de participer à des rencontres en présence de M. Bigoudé à la résidence présidentielle durant la crise post-électorale? Non. Jamais à une rencontre à la présidence de la République résidentielle. J'ai toujours été soit convoqué seul, ou bien j'ai souvent sollicité une rencontre avec le président seul, ou bien on s'y est rendu avec les officiers généraux pour des affaires militaires, mais jamais avec Bigoudé. Alors, c'était le 11 mars 2011, quand le panel des chefs d'État était, c'est bien de ça que vous voulez, hein. Je pose la question, je ne recherche rien spécifiquement, mais... Je posais simplement la question
si vous avez participé à des rencontres avec M. Bligoudé en présence du président durant la crise post-électorale au palais présidentiel? Non. Mais vous dites que vous l'avez rencontré le 11 mars, seul? À l'état-major des armées. À l'état-major, très bien. À votre connaissance, quelle était la relation entre M. Bligoudé et M. Gbagbo? Difficile à définir, mais je vous dirai qu'il est très proche du président Laurent Gbagbo. Bligoudé a créé le COGEP, qui est le Congrès des jeunes patriotes, qui est un peu, j'allais dire, un appendice du pour Gbagbo. Mais il faut noter que depuis le 17 août 2017, ils ont pris la décision que le COGEP serait un parti et qu'il ne serait plus un appendice du FPI. Mais je sais que dans les différents rassemblements que Bligoudé faisait, il rencontrait très souvent le président Laurent Gbagbo. Il lui est très proche. Voilà ce que je peux vous dire. Toujours à votre connaissance, qu'en est-il de la relation entre M. Bligoudé et Mme Simone Gbagbo? C'est aussi la même chose. C'est aussi la même chose. Je crois qu'il doit avoir aussi de bonnes relations avec l'épouse du président. Très bien. J'aimerais maintenant revenir sur la question du haut commandement des FDS. Alors, vous avez mentionné précédemment que le général Detoletto était le commandant des forces terrestres. Qui l'a nommé à cette position? Alors, c'est le chef d'état-major qui désigne parmi les différents commandants des forces un officier pour être le commandant des forces. Donc, c'est moi qui ai fait la désignation. Mais une fois la désignation faite, j'ai rendu compte au président de la République et j'ai aussi rendu compte au ministre de la Défense. Et ultimement, qui décide? C'est le chef d'état-major. Et la nomination se fait comment? La nomination officielle? C'est par message, un message officiel avec pour objet désignation d'un commandant des troupes, un test qui suit. En FM, en Fox Mike, en Tango Oscar, la personne à qui nous destinons le message, qui est le chef d'État, le ministre de la Défense, et puis en info, on envoie ça aux autres commandants des forces pour que tout le monde soit informé. Et ce message, quand il arrive dans le corps, est lu, souvent au cours du rassemblement, à tout le monde. Voilà comment se fait la désignation. Est-ce qu'il y a des décrets qui sont émis?
pour confirmer la désignation? Non, là-dessus, il n'y a pas de décret. Le décret, c'est pour les grands commandements, mais une désignation pour prendre le commandement des forces, il n'y a pas de décret. Même, voyez, au niveau du Comtheatre, celui qui a conduit toutes les opérations, c'est tout simplement le chef d'état-major qui fait la proposition au président, qui fait la proposition au ministre, et le ministre entérine le choix, on vous désigne pour aller sur le terrain. Voilà. Donc c'est une désignation qui se fait. Donc les grands commandements sont votre poste? Alors les grands commandements... La gendarmerie et la police. C'est bien ça. Comment était votre relation avec M. Detto-Letto? Des relations d'anciens et de cadets. Il faut dire que quand j'étais lieutenant au bataillon blindé, Detto-Letto, nous étions à Kwedo, il était à l'époque sous-officier. Donc nous nous connaissons très bien. Donc les relations, essentiellement des relations amicales et puis des relations de travail. Avec le commandant de la marine maintenant, le général Vagba. Alors, le commandant de la marine, il faut noter, c'était un ancien à moi. Il était plus ancien que moi dans le grade inférieur. Donc, il était du côté de la marine. Il faut dire que lui, sincèrement, je ne le connaissais pas avant que je ne sois chef d'état-major des armées. C'est quand j'ai été chef d'état-major des armées que j'ai effectivement vu qui était Vagba et on a commencé à se fréquenter. Comment était sa relation avec M. Gbagbo, toujours à votre connaissance? Oh, très bonne relation. Très bonne relation, ils se connaissent bien. Quelquefois même, il y a de petites plaisanteries entre eux. À l'issue des réunions, ils plaisantent. Et je crois qu'ils sont, même de la même région, de Gagnoua. Lui, Vagba doit être de Gagnoua, et puis le président de Mama. Mais cela ne justifie pas le fait qu'il y ait une certaine relation entre eux. C'est pas ça. Je crois qu'ils se connaissaient depuis fort longtemps. Voilà. Qu'en est-il du général Aka Kadjo? Alors, le général Aka Kadjo des forces aériennes, lui également, je l'ai découvert quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées. Sinon, auparavant, on ne se rencontrait pas. Voilà. Par contre, son épouse a été élevée par mon père. Mais je ne savais pas qu'elle était l'épouse du général Aka. Voilà. Je l'ai su seulement quand le général a pris fonction. Donc, juste pour clarifier, vous n'avez pas désigné le général Vagba ou le général Aka? Non, là, ce n'est pas moi qui désigne. Là, c'est une nomination. Et c'est par voie de décret que ceux-là sont nommés. Le commandant des forces, le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale sont nommés par décret présidentiel. Et donc, pourriez-vous nous indiquer, la question peut paraître bête, mais pour que le dossier soit clair, quel président nommer ces deux généraux? Alors, nous avons été nommés tous par le président Laurent Gbagbo.
Alors, le général Gebi Point, c'est un ancien à moi aussi. Un ancien à moi. Vous savez que dans l'armée, les anciens, nous avons beaucoup de respect pour eux. Donc, on ne les approchait pas trop. Mais Gebi Point et moi, bon, mais c'est dans l'exercice de nos fonctions. Chacun de son côté, on a pu se rencontrer, familiariser. C'est par là que j'ai fait sa connaissance. Sinon, c'était un ancien à moi, le général Gebi Point. Et savez-vous, sa nomination a été faite par qui? Le général Gebi Point, au niveau, son commandement au niveau de l'école de gendarmerie, il a été nommé par le général Tiapeu Kasarate, qui nomme les officiers aux postes et aux emplois de la gendarmerie. Par contre, sa nomination en tant que commandant du SECOS l'a été par décret présidentiel, donc par le président Laurent Gbagbo. Comment était votre relation avec ce dernier? Avec Gebi Point, on se voyait très peu. Moi, j'étais à l'état-major. Lui, il avait son poste de commandement à Cocody. On se voyait peu parce que, comme je vous l'ai souligné, le décret de création du SECOS le mettait sous la responsabilité du ministre de la Défense. Donc, Gebi, dans son centre opérationnel, faisait la planification et la conduite des opérations de manière indépendante, lui seul. Mais il envoyait quand même un message où il me tenait informé, rien que informé. Sinon, quand vous prenez la contexture des messages, vous avez le tango Oscar, le From. Le From, c'est-à-dire le Foxtrot, Roméo, Oscar, Mike, qui est l'autorité d'origine. Le tango Oscar, qui est l'autorité à qui on destine le message et qui doit réagir, c'était le ministre de la Défense. Et puis ceux qui sont en info, c'est-à-dire en India, November, Foxtrot, Oscar, moi je venais en info, c'est-à-dire que moi je prends le message tout juste pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, bon, de temps en temps, comme c'était un officier qui avait le commandement sous ses ordres, les policiers, les gendarmes, les militaires, et puis qui avait aussi des moyens qui sont extrêmement bien, puissants, Gebi assistait à nos réunions au niveau de l'état-major. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, bien que sa mission initiale soit la lutte contre le grand banditisme, ben nous l'avons utilisé pour certaines missions. Comment était sa relation avec le président à l'époque? Alors, avec le président, là aussi, on dirait qu'il se connaissait bien avant. Oui, je crois. Qui doivent se connaître bien avant, les relations étaient bonnes. Et c'était bon. Le général Doc Beaublé. Alors. Qui l'a nommé à ce poste? Le général Doc Beaublé a été nommé par le président de la République. Doc Beaublé, il faut le dire, c'est mon cadet. Mon cadet, je connaissais Doc Beaublé depuis les années 80. J'étais à l'époque jeune capitaine au bataillon blindé quand Doc Beaublé est arrivé de Cire. Donc j'étais son chef, tant au niveau des escadrons qu'on commandait qu'au niveau de la fonction de chef de corps que j'ai tenu. Donc c'est ensemble, nous sommes de la même arme et il travaille avec moi.
Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand Debo est arrivé, dans l'appréciation, si je peux l'apprécier, c'était un officier très intelligent, bien cultivé, un officier qui faisait preuve de détermination et de courage dans tout ce qu'il faisait. Mais à l'époque, Debo était entièrement effacé. C'est à peine s'il ne rasait pas les murs. J'en ai fait mon fils à moi, puisque moi, c'est moi qui fus son témoin de mariage. Mais par la suite, je n'ai pas reconnu le comportement de Debo. Ça, il faut que je le dise tout clair et tout net. À lui, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que je le dis. Je le lui ai déjà dit quand nous nous sommes rencontrés au golf. Debo, nommé commandant de la garde républicaine, commandant militaire du palais, s'est vu pousser des ailes. S'est vu pousser des ailes au point d'arrêter des anciens. Un gars comme le général Koulibaly Abdoulaye, le PCA de Air Ivoire, parce que sortant du Golfe, lui prendre ses portables, c'était une aberration. C'était une aberration. Il ne respecte plus personne. Et je crois que c'est la fonction qui a fait qu'il s'est mis sur ses piédestals. Malheureusement, nous avons quelques officiers qui se comportent comme ça, tout simplement parce que travaillant avec un président de la République, travaillant avec un ministre, travaillant avec un président des institutions, ils n'ont plus aucun respect pour leurs anciens, tout simplement parce que ces anciens ne sont pas d'activité, mais ils oublient. Ils oublient que c'était leur dévancier, c'est eux qui leur ont ouvert les yeux. Et c'est des comportements que nous déplorons. Parce que le fait de se mettre sur son piédestal et de ne pas considérer ses anciens, mais qui se disent qu'un jour ou l'autre, ils peuvent descendre et se retrouver à la place de ses anciens. Donc, à Debo, j'ai fait ses remontrances. Je le lui ai dit et je crois qu'il a compris. Pour être bien clair, je ne vais pas vous interrompre, je vous dis tout simplement de ralentir. Je voudrais m'excuser, c'est le premier exercice. Comme je suis habitué à parler un peu plus vite, je vais m'y atteler. Donc, c'est ce que nous avons déploré, ce changement brusque que nous n'avons pas compris. Et sinon, habituellement, quand moi je l'ai connu, vraiment, il était très effacé. À peine, si bavardait, il rasait les murs pratiquement. Mais vous savez, quelquefois, la fonction, quand on l'occupe, on s'oublie soi-même et c'est quelquefois dangereux. Pourriez-vous nous préciser, j'ai juste l'expression en anglais parce que vous le connaissiez bien, ayant été son témoin à son mariage. Quand avez-vous vu ce changement s'opérer? Ben, quand il a été nommé commandant militaire du palais, c'est là qu'on l'a plus reconnu. Quand il a été nommé commandant militaire du palais, parce que je ne peux pas comprendre qu'un officier général puisse se saisir de son ancien jusqu'à ce qu'on l'assassine. Ça, je ne peux pas le comprendre. Dans l'armée, il y a le respect des anciens. Et ça, c'est capital. C'est capital. C'est capital. Alors, quand vous voyez votre ancien, quel que soit le grade que vous avez, il doit avoir un minimum de comportement vis-à-vis de cet ancien. Moi, aujourd'hui, je suis général de corps d'armée. Mais quand je vois le général Koulibaly, par exemple, PCA de Air Côte d'Ivoire, qui est un ancien à moi, mais je rectifie ma position
et j'adopte une attitude respectueuse quand je vais vers lui. Question de précision. Monsieur le Président, je crois que la partie adverse veut dire quelque chose, alors je ne vois pas. Maître Zoukou, oui, allez-y. Je ne voulais pas interrompre mon confrère, mais je m'y sens obligé. Je m'y sens obligé parce que le questionnement, la ligne des questionnements, me porte à me demander si nous sommes ici pour une étude de caractère ou une étude psychologique. Nous sommes là pour les faits. Et depuis toute une série de questions, on interroge le témoin sur des relations ou des caractères de ses ex-collaborateurs. Et je pense que cela n'est pas approprié. Il faut poser des questions sur des faits. Le témoin est ici pour parler de faits afin que nul n'en ignore. Voilà le sens de mon intervention. C'était juste pour attirer l'attention du procureur. Thank you, Mr. Zoukou. But I think also that the witness, due to his position in... Oui, merci beaucoup, Maître Zoukou. Mais je pense que le témoin est tout à fait en mesure, dans son état, de répondre aux questions, dans la mesure où ce ne sont pas non plus des avis ici, des opinions, mais plutôt des faits qui correspondent tout à fait à la ligne des questions que pose le procureur. Veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Quand a-t-il été nommé commandant militaire du palais? Est-ce que vous vous rappelez de l'année? Ça doit être en 2000. En 2000? 2002. Et êtes-vous capable de nous préciser, est-ce avant ou après le 19 septembre 2002? Je sais que quand j'étais sur le théâtre vers fin septembre 2002, déjà il était comme commandant de la garde républicaine et commandant militaire du palais. Et qui est l'acronyme PCA? PCA, c'est le président du conseil d'administration. Et cet incident avec M. Koulibaly, c'est à quelle période, à quel moment? Ben, c'était pendant la période post-électorale. Le général sortait du Golfe. Quand il a fait arracher ses portables, le général est passé par, ne pouvant pas me joindre parce qu'il n'avait pas mon numéro. Il est passé par un de ses pilotes, qui était lieutenant-colonel adjoint au colonel Tsako, pour me faire ce compte-rendu. Et j'ai intimé l'ordre au général Dogo de rendre les portables du général. Il lui a remis les portables. Êtes-vous en mesure de nous dire, être un peu plus précis sur la période? Est-ce en 2010, en 2011? En 2010. Très bien. Bon. Quelle était sa relation avec, à votre connaissance, avec le président Gbagbo? Je ne sais pas si le président le connaissait avant de l'avoir nommé, mais je crois qu'il a été nommé à ce poste pour sa compétence et pour ce qu'il savait faire. Voilà. Mais ce dont je parle, je ne pense pas que ce soit son comportement soit dicté par le président. Non. C'est de la nature de certaines personnes que quand elles occupent certains postes, elles ne s'y sentent plus. Voilà. Monsieur Mangou, j'avais laissé la question du comportement ou l'attitude de Monsieur Dogboblé pour aller plutôt dans, à votre connaissance, quelle était la relation, ou comment était la relation entre le général Dogboblé et M. Gbagbo?
Ça date des relations de chef à collaborateur. Le commandant Conan Boniface. Oui. Bon, premièrement, qui l'a nommé à ce poste? Alors, Conan Boniface, c'est bon qu'il est nommé comme le commandant du tiers des opérations. Et je puis vous dire ici que Conan Boniface est un officier de très grande valeur, vraiment de très grande valeur, qui a un comportement exemplaire, qui aime sa patrie, qui aime la patrie, et qui fait preuve de discipline dans son travail. Voilà ce que je peux dire de Conan. Comment était votre relation avec ce dernier? Conan Boniface, je le découvrais sur le théâtre des opérations. Quand moi j'étais commandant du théâtre des opérations. Vous savez qu'en ce moment, bon, peut-être que j'aurai l'occasion de venir là-dessus. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous étions pratiquement partis les mains nues sur la ligne de front. Je développerai ça peut-être plus tard. Quand Conan est arrivé, il y avait une certaine désorganisation. Le principe dans le combat, c'est que quand vous avez vos hommes avec qui, en temps de paix, vous vous êtes bien entraînés, vous avez fait certaines choses ensemble. Quelquefois, sur le terrain et dans le feu de l'action, vous n'avez même pas besoin de parler. Au doigt et à l'œil, vos hommes vous respectent. Et Conan a eu cette chance de venir avec ses hommes qu'il a formés en temps de paix. Et sur le théâtre, ils ont été vraiment excellents. Par rapport aux autres qui ont eu également un excellent comportement, qui se sont battus avec beaucoup de détermination, qui ont fait preuve de disponibilité, la différence à leur niveau, c'est que quand la crise a commencé, les effectifs étaient désorganisés. On a dû prendre un policier à Dembokro, 3-4 sous-officiers à Daloa, donc ce n'était pas des ensembles homogènes. Donc il y a eu tâtonnement dès le départ, mais il faut dire qu'au finish, ils s'y sont bien retrouvés. Comment était votre relation avec M. Detto Letto? Je l'ai dit tout à l'heure, avec Detto, on a commencé à Akwedo. Il était sous-officier, moi j'étais officier. On habitait le même camp, donc on a sympathisé. Et c'est de très bonnes relations, à la fois de chef à collaborateur, et puis on était un peu amis aussi. Le chef d'état-major particulier du président, monsieur... Donc, le général Tovuli Bizobo, qui l'a nommé à ce poste? C'est le président de la République. Comment était votre relation avec ce dernier? Alors, le général, c'est un grand ancien à moi. Je ne le fréquentais pas du tout. On se rencontrait dans la cérémonie. C'est des relations d'anciens cadets, de respect, c'est tout. Voilà. Sinon, lui, il est vraiment plus ancien que moi. Comment était votre relation avec le général Kasaraté? Alors, le général Kasaraté, c'est un ancien. C'est aussi un ancien. Ça se passait bien, mais pendant la période de crise, on a eu des moments de friction. Oui, on a eu vraiment des moments de friction parce que au moment où on avait besoin d'effectifs
d'effectifs pour travailler sur le terrain. Il faut dire que le général Kasaraté et le directeur général de la police n'ont pas joué franc jeu. Non pas que les gendarmes ou les policiers ne voulaient pas travailler, pas du tout. Nous avons travaillé avec eux. Ils ont été constamment sur le terrain. Mais le problème, c'était au niveau du chef qui ne voulait pas fournir d'effectifs. J'ai dû, à l'état-major, organiser une réunion afin que chacun me fasse le point des effectifs. Sur un effectif d'environ 15 000 gendarmes, le général Kasaraté me donnait un effectif disponible de 500 personnes. Sur un effectif de près de 20 000 policiers, le général Brindou me donnait un effectif de 1250 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À telle enseigne que le président Laurent Gbagbo lui-même s'entend, cette supercherie ne cessait de me demander, mais est-ce que tu as confiance à Intel, tu as confiance à Kasaraté, est-ce que tu as confiance à Brindou? Un jour, un peu exaspéré par les questions que me posait le président, j'ai dû lui dire, mais président, il faut les enlever. Il faut les enlever pour qu'on mette d'autres personnes pour travailler. Mais le président m'a dit non, compte tenu de la période, j'ai vraiment personne sous la main, je ne peux pas le faire. Mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été francs avec nous, sincèrement. Non pas parce qu'ils étaient avec l'autre camp. Hein? Et là, je dis, j'utilise bien mes mots, ils surfaient sur un fil à la recherche d'une terre ferme pour poser le pied. Et ça, je ne mâche pas les mots là-dessus. Donc, vous venez de le mentionner, le DGPN, directeur national, directeur général de la police nationale, pardon. Quelle était votre relation avec lui, outre ce que vous venez de mentionner? Y a-t-il... Je ne l'ai jamais rencontré avant que je ne sois chef d'état-major des armées. C'est quand il a remplacé le commissaire Yapo, qui était DGPN, que nous avons eu nos premiers contacts. Et comme nous nous rencontrions souvent pour faire des réunions pour travailler, nous avons sympathisé et c'est des relations entre le chef d'état-major et le directeur général de la police. Très bien. J'aimerais qu'on discute brièvement, vous en avez déjà parlé, mais qu'on revienne sur quelques points du Centre de commandement intégré, le CCI, donc. Alors, les accords de Ouagadougou, Monsieur le Président, sont déjà soumis au dossier. Je peux donner l'ERN 00512167, CIVOTP. Donc, la personne responsable la personne à la tête du CCI, vous l'avez mentionné précédemment, c'est le colonel Kouakou? Non, il n'était pas à la tête. Le général Kouakou Nicolas n'était pas à la tête. Ce qui était à la tête du CCI, c'est le général Bakayoko et moi. Nous étions donc tous deux
chef d'état-major du CCI. Parce que le CCI même, ça ressemble un peu à un centre opérationnel. Et celui qui est le chef du centre, c'est le général Kwaku Nicolas, qui nous rendait compte à Bakayoko et à moi, et nous, nous lui donnons des ordres. Et avant d'être responsable donc des opérations, si on veut, du CCI, quelle était sa position? Alors, c'est un gendarme. C'est un gendarme, il était dans une unité de gendarmerie. Qui l'a désigné? La désignation s'est faite par moi. Elle s'est faite par moi, mais comme c'était une structure qui œuvrait dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, nous avons donc demandé au président de la République que cela soit formalisé par un décret. Par un décret. Parce que c'était l'organe qui nous permettait de travailler en mixité avec nos frères des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc les forces nouvelles à l'époque. À l'époque, c'est bien ça. Et quel a été le rôle du CCI durant la période électorale? Alors, il faut dire que les missions du centre de commandement intégré nous ont été définies par le président Laurent Gbagbo dans un décret. Et ce décret, je le citais tout à l'heure, c'est le décret 2007-82 du 16 mars 2007 relatif à la mise sur pied du centre de commandement intégré. Et dans les missions, le président nous demandait, parce qu'on a eu une réunion à la présidence de la République où il m'a convoqué et il a convoqué Bakayoko avant de nous remettre le décret. Dans le décret, il nous était demandé de co-gérer ensemble les questions militaires, de mettre en œuvre le PNDDR. Le PNDDR, c'est le plan national de désarmement et de démobilisation, de réinsertion. Ce décret nous demandait également de faire la sécurisation des audiences foraines, de faire l'opérationnalisation des tâches militaires, de faire la sécurisation du processus électoral et de protéger les personnes et les biens sur toute l'étendue du territoire national. Voici les missions qui nous ont été confiées à travers le décret référencé plus haut par le président Laurent Gbagbo. Si vous ne l'avez pas, moi j'ai une copie de ce décret ici, avec la photo où le président nous remettait ce décret. Alors, je crois que vous venez de décrire les sections 3.1 et 3.2 de l'accord de Ouagadougou. À votre connaissance, qu'en était-il du service civique? Lorsque nous ouvrions dans le cadre de l'accord Mbeki, parce que le point 2, 3 et 1 de cet accord demandait aux forces de procéder au désarmement conformément donc au plan conjoint des opérations qui avait été arrêté depuis le 9 janvier 2005 et actualisé le
6 mars 2006. Quand on œuvrait donc dans ce point, les soldats qui avaient été recrutés disaient qu'ils allaient être laissés pour compte. Ils allaient être laissés pour compte. Donc, il y a beaucoup qui ont cherché à passer le concours du corps de police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, de la douane. Et compte tenu du fait qu'il y avait un nombre assez important de chômeurs, le président Laurent Gbagbo avait décidé de mettre sur pied le service civique. Il m'avait même demandé de lui présenter des exemplaires de tenue et nous avons eu une réunion avec le président en sa résidence parce qu'il avait mis sur pied des gens pour y penser. Et je crois que le principal coordinateur, c'était le ministre Oulahi, le ministre Oulahi. Donc, on a fait une réunion. Mais l'idée était très bonne, mais malheureusement, ce service civique n'a pas vu le jour. Donc, le ministre Hubert Oulahi, oui, était responsable du service civique. Non, des préparatifs en vue d'arriver à la mise sur pied du service civique. Pourriez-vous nous indiquer, est-ce que le CCI, quand est-ce que ces travaux ont pris fin? Est-ce que vous êtes capable de nous donner une date dans le temps? Oui. Le CCI, les travaux du CCI ont pris fin après la proclamation des résultats au deuxième tour. Parce qu'on était chargé de faire la sécurisation du processus électoral. Le processus électoral, ça part de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Et faites référence à quelle date là, ou laquelle des deux proclamations? Ou y a-t-il juste une pour vous? Ben, il y a eu deux proclamations. Il y a eu la proclamation du 2 décembre 2010 pour le candidat du RHDP. La proclamation du 3 décembre 2010 pour le candidat du LMP. Mais il y a eu surtout la décision finale prise par la communauté internationale après que le panel des chefs d'État se soit rendu à partir du 10 mars. Du 10 mars 2011. Donc, après cette proclamation, a pris fin la mission du CCI. Mais ce qu'il convient de souligner, c'est que le nouveau président de la République, celui qui a été élu, le président Alassane Ouattara, a continué de travailler dans le cadre de cet accord de Ouaga pour faire la réunification des deux armées. Donc, pour vous, la fin des travaux de la CCI, c'est suite au 10 mars 2011. 10 mars 2011. Est-ce que vos échanges avec les membres de la CCI, donc M. Bakayoko, se sont poursuivis durant toute cette période? Après le 28 novembre 2011 jusqu'au 10 mars? Oui. C'est-à-dire 28 novembre 2010 jusqu'au 10 mars 2011. Alors, je ne vous cache rien. Interrompu. Je ne vous cache rien. Après donc les résultats du deuxième tour, nous avions donc demandé, en tant que chef d'état-major du CCI, du centre de commandement intégré, c'est-à-dire nous, les deux chefs d'état-major, que le général Kakou Nicolas puisse nous faire un rapport
des élections. Donc, il a fait ce rapport. Mais à l'issue, nous nous sommes rencontrés, puisque pour faire le plan conjoint des opérations, nous l'avons fait avec les commandants. Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous l'avons fait avec les commandants des forces impartiales. Donc, nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales dans un hôtel que je ne citerai pas, d'Abidjan. Et à l'issue de cette réunion, le général Bakayoko m'a approché pour dire que puisque nous travaillons au sein du centre de commandement intégré, qu'il fallait que nous fassions une déclaration pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Alors je lui ai dit, je le sais, mais il ne nous appartient pas en tant que militaire de faire une telle déclaration. Et que le président Laurent Gbagbo a fait une sorte de voie de recours, les chefs d'État sont en train de travailler, attendons le résultat final de ces chefs d'État avant qu'on ne se prononce. Donc c'est dit que le CCI a encore continué. Cette rencontre à laquelle vous faites référence. Donc cette rencontre a eu lieu à quelle date? Elle a eu lieu en décembre. En décembre, après la proclamation des deux résultats. Décembre 2010. Êtes-vous en mesure d'être un peu plus précis? Est-ce la première moitié de décembre, la deuxième moitié de décembre? Tout juste après le 3 décembre. Bon, quelques petites questions de précision. L'état-major était situé à quel endroit? Et est situé à quel endroit, pardon? Donc, l'état-major est situé au camp Gallieni. Au plateau. Enfin, entre le plateau et Agamé. Mais en face des tours administratives. Ils abritent. Et l'état-major comprend quel. Décrivez-nous un peu l'état-major. Faites-nous une structure brève. Je ne demanderai pas les gens qui sont à la tête de chacune de celles-ci, excepté pour le CPCO, on y reviendra. Mais décrivez-nous brièvement ce qui abrite l'état-major. À l'état-major, vous avez le chef d'état-major. Je précise ici, Monsieur le Président, que je n'avais pas d'adjoint, pas du tout. Donc, quand j'étais chef d'état-major, j'avais trois chefs de bureau qui m'aidaient dans la tâche. Il y avait donc le chef de la division ressources humaines, qui était l'amiral Ala. Il y avait le chef de la division emploi opération, qui était feu, le colonel Babri Hilaire. Il y avait le chef de la division log, qui était le colonel Seri. C'est avec eux que je travaillais. Il y avait mon centre opérationnel, le CPCO, qui était tenu par le colonel Sako. Et il faut noter qu'il y a un service de garnison. Un service de garnison qui s'attelle à plusieurs tâches. Quand il y a les punitions, ils essaient de voir. Quand il y a les cérémonies funèbres, ils essaient d'organiser. Bon, donc il y a un service qui fait un peu de tout. Et au niveau de l'état-major également, on a un très beau mess, qui est le mess des armées.
où on fait à manger. Et souvent, les civils qui travaillent au bateau aiment bien aller se restaurer là-bas. Nous avons une grande salle de conférence au niveau de l'état-major. Et les grandes divisions que je vous ai citées tout à l'heure, il y a des bureaux qui sont rattachés à cette division. Et c'est cet ensemble d'officiers qui travaillent entre eux, qui constituent l'état-major, et c'est eux qui souvent font des propositions au chef d'état-major afin d'amener le chef d'état-major à prendre une décision. Dernière question sur ce sujet, et probablement pour la pause déjeuner, avec la permission de la Chambre, toujours. Combien de personnes en tout, si on compte, qui travaillaient à l'état-major en une journée donnée? Un exemple. Une moyenne. Alors, si on veut un exemple, il faut compter 100 à 120 personnes au niveau de l'état-major. 100 à 120 personnes. J'exclus le service de garde qui appartient à une autre unité qui est rattachée à l'état-major. C'est le bataillon de commandement et de service qui est rattaché à l'état-major pour les services de garde et autres. Mais au niveau de l'état-major, il faut compter 100 à 120 personnes. Très bien, je vous remercie. Et, Monsieur le Président, je vous proposerai, toujours sous votre contrôle, qu'on prenne la pause déjeuner maintenant et qu'on se revoie plus tard. Thank you. Juge Président, très bien, merci. Et merci à vous aussi. Donc, nous allons aller déjeuner et on se retrouve à 14h30. Et ça, ce sera la troisième séance aujourd'hui et la dernière d'ailleurs. Donc, on lève l'audience jusqu'à 14h30.